Allez, salut à tous les amis, c'est Low to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Alien. Waouh, yeah, en ce lundi après-midi pluvieux, je viens de rentrer de cours et je me mets tranquillement devant Alien Noir pour continuer, puisque là, depuis cette petite session pendant les vacances, là, ça m'a redonné envie. Et puis regardez-moi cette voiture magnifique dont on dispose, voyez-vous. Donc on a commencé une nouvelle enquête. Alors j'ai complètement oublié, mais je crois qu'il y avait encore un meurtre de femme, hein, pour changer, j'ai envie de dire. Ce que je vais essayer de faire, c'est que maintenant, dorénavant, dans tous les épisodes, c'est de faire au moins un, et après voir plusieurs délits, vous savez, résoudre plusieurs délits pour gagner de l'XP. Et avoir des points, essayer de gagner des points d'intuition, parce que ça pourra sûrement nous aider dans les interrogatoires, à mon avis. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. On va se rendre sur le lieu de la mission en conduisant comme un dieu. Donc j'ai déjà fait le succès. Oh putain! Je sais pas si vous vous rappelez. Le succès de rouler à plus de 180, je crois, ou quelque chose comme ça. Miles par heure, bien sûr, pas kilomètre. Pendant plus de 30 secondes ou je sais plus quoi, j'avais réussi à le faire. Oups. Donc c'est pas là qu'il faut que j'aille. Non, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Pas du tout le bon endroit. Ce n'est point du tout le bon endroit. Ah ok, c'est bon, on est arrivé. Hop. Nous. Oula, putain, j'ai failli. Oh, j'ai failli l'écraser. Alors on va se calmer. Feu rouge. Ouah, pas mal cette voiture. Faudrait que j'essaie de la débloquer. Ah bah ça aussi, c'est un objectif. Débloquer un maximum de bagnoles. Prêteur sur gage. Alors je sais plus du tout pourquoi je devais aller. Oula, chez un prêteur sur gage. Mais à mon avis, c'est important. Oh, oh déjà, il y a une guitare. Ah, il y a une guitare. Direct, il y a une guitare. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? 50 bucks. Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Oh, c'est, oh putain, oh là, cette autorité, ça ne veut rien dire. Alors, voyons voir les bagues. Alors, oh putain. Oh putain, ce mec a des yeux. D'accord, ok. Ok, une bijouterie sur Broadway. Nickel, hein, moi je dis oui. Hein. Une bijouterie hein, sur Broadway. Ah, encore. Ah, 22K. 22K. 22 carats hein, pas mal. Enfin, je sais pas ce que ça représente vraiment, mais bon, voilà. Super. Normalement, c'est censé me faire une preuve. Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address, 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Putain, ça fait la masse d'informations là d'un seul coup. On a récupéré quoi? Des adresses. Putain, oh là 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 là. En voiture, collègue, on a du taf. Voilà, c'est ça. Cours. Alors, déjà, on va où? Alors, lieu. D'accord, non, ok. Super, ça a pas compté. Donc, dépôt ferroviaire. Ok, bah, faut que j'aille à dépôt ferroviaire. Non, mais en fait, j'ai rien dit. J'ai dit que de la merde. Là, à mon avis, c'est. Putain. Oh, le train. C'est toujours dans ce genre de situation. Qui a des délits en général. C'est toujours entre deux. Oh putain, j'ai réussi à lui rayer la carrosserie. Si on garde en cours. Un problème. Oui, on pourrait, oui. C'est une fausse adresse. Ah, ah. Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one. Ah ben voilà, on revient à l'histoire du Dahlia noir. Tout est lié. Oups. Tout est lié. Ah ben c'est bien ça.
effectivement tout est lié. En tout cas, apparemment, le prêteur sur gage s'est bien foutu notre gueule. Bon, de toute façon, on viendra pour le défoncer, pardon, monsieur. C'est sûr, de toute façon, on viendra pour lui faire la peau. Hein. Concrètement, hein, voilà, quoi. Quand on soude notre gueule, il y a un moment, on dit non, on dit stop. Et on va les défoncer. C'est pas le dépôt ferroviaire de... Ah merde, mais du coup... Ah merde. Demi-tour. Oui, en plein milieu de la route. Vous m'avez bien entendu. Est-ce qu'il y a un moyen d'y accéder par le bas? Oui, on va tourner à... Enfin, j'ai dit oui comme... Au pire, on défonce les barrières, non? Ah, voilà. D'accord. Thanks, bro. J'apprécie. Est-ce qu'il y a moyen de... Non? Attends, ici. Non, il y a une barrière. Ah, décidément, la circulation dans Los Angeles. On va essayer de faire le tour par là. Il y a un croisement là, on est d'accord. Ouais, il y a un croisement. Donc, je tourne ici. Putain, c'est quoi tous ces camions? Putain, d'ailleurs, je me demande si les camions comptent en tant que véhicule à débloquer, je pense. De toute façon, à mon avis, tous les véhicules qu'on voit dans la rue, c'est des véhicules qu'on peut. Oula. Qu'on peut débloquer. Désolé, j'ai tapé dans le pied de mon micro. Ça ne veut rien dire. Ah, putain, le mec. Ah yes, il suffisait de faire le tour. Oh là là, par contre, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je conduis comme un pied. Et je ralentis, je roule à contresens également. Tu vas te grouiller, oui? C'est où? Ah, évidemment, fallait que je me gourde d'entrée. Hein? Et voilà. Fallait que je me gourde d'entrée, c'est évident. Ouais, c'est quoi ce bordel? Attends. J'arrive avec cette voiture et la voiture que j'avais sur moi était... Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Putain, pourquoi on a cette vieille bagnole de merde? Pourquoi on y va en bagnole? Oh... Ça c'est moche. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est la femme qui se fait juste déglinguer quoi. The Negro, Nelson Gaines called it in. I came down here to make sure the other guy, Jameson, stuck around. Sérieux? Jameson found the body. Something like that. Guy makes me sick. Ouais. Je confirme. Surveillez ces deux-là. Oui, surveillez-les, on ne sait jamais. Alors, bonjour monsieur. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Ouais, super, merci. Ah, tu m'as été vachement utile, hein. Non, franchement, tu reviens là, sérieux, tu... Alors, l'épreuve, bon. On fait quoi? On s'occupe du cadavre d'abord? Allez, on s'occupe du cadavre. Oh putain. Oh mon dieu, regardez. Regardez son œil, ça fait une bouche. Une bouche avec du rouge à lèvres. Oh, c'est sale quand même. Ah, encore des œufs. Cette odeur. Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Ah, d'accord. Non, en fait, c'était une very strong smell of alcohol. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. J'adore faire ça à chaque fois, je ne m'en lasse jamais. Jamais. Voyons voir si elle avait si on a essayé de lui enlever sa bague. Au doigt, j'ai l'impression. Ouais, encore. Another missing ring. À croire que le mec il est un petit peu fétichiste des bagues, là, il a un petit problème avec les bagues. Ouh, oh. No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can. Regardez-moi ce vieux JPEG en texture de rail, sans déconner. Regardez-moi ça, j'avais même pas fait gaffe, c'est un vieux JPEG. Ha! Sérieusement. Ouais, du coup ici y a rien. Non, dans l'autre sens. Ouais, bon du coup y a rien. Voilà, repose cette main, ne fais pas le con. Y'a rien en dessous, non? Non. Non. Ok, bon. Ceci étant fait, on va pouvoir attaquer le sac à main. Hein? Attaquer le sac à main, oui, c'est très très français. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Déjà, je suppose qu'il y a le permis de conduire, non même pas. Putain, une lettre. Alors, voyons voir.
Toi, machin, David Street, ouais, bon, d'accord. Alors, chère Evelyn, j'espère que tu te portes mieux que la dernière fois que nous nous sommes vus. Ouais. Des mots durs ont été prononcés. Tu avais trop bu et nous savons tous les deux quel effet ça a sur toi. Morning, lady. Oh ! Mais je ne t'écris pas pour te harceler ou t'accabler. Je t'écris pour m'excuser. Ah. J'ai eu le cœur brisé en voyant ce qu'était devenue ma petite fille et ce qu'elle s'infligeait elle-même. Tu détruis ton corps et ton âme avec l'alcool, Evelyn. Et tu t'imagines... Et tu t'imagines pas comme c'est dur pour moi de... te regarder faire ! Mais seul Dieu Tout-Puissant a le droit de juger, et je t'implore donc de me pardonner. J'ai pris contact avec une clinique ici au Connecticut à ton sujet. Ils disent que tu es malade, Evelyn, et que tu peux être soignée. Ça, c'est la phase typique. Il te suffit de te faire hospitaliser chez eux. Tu seras... Someone was trying to get her to come home. Tu seras... Oh, fuck. C'est nul. On voit pas la fin. Bon, deuxième document. Allez, là, je suis sûr que c'est... Non, c'est même pas un permis de conduire. Keystone Film Company. Nom Evelyn Summer, service juridique. Valable jusqu'au 31 octobre. Je sais pas ce que c'est. We could go over to the lot and see what they know about her. Ah, d'accord. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Ah merde. C'est un studio de cinéma, d'accord. Ok, très intéressant comme première pièce. Évidemment, nous avons les petites. Le petit paquet de cigarettes. Barmanches. Ils sont toutes accros à l'alcool dans ce jeu. C'est abusé. Hein. Elles squattent tous un bar. Toutes, pardon, un bar différent. Magasin de spiritueux. D'accord, deux grandes valises, petite valise, tapis de couchage, oreiller, drap, trois cas de photos. Brosse à cheveux, qui de bowling, s'il te plaît, statuette. Maquillage, vêtements. Intéressant. Obtenir l'adresse du magasin. Putain, la tête qu'il a, quoi. Le mec, en mode accroupi. Bon, ça nous fasse cette preuve. On va faire un petit tour encore. Appuyez pour parler, t'es qui, toi. The city keeps tossing us dead bodies. Oui. We're just running to catch up. C'est bien dit, c'est bien dit. D'accord, ok, c'est tout ce que... Ce vieux sac, le mec n'a absolument rien à dire. Et Galloway, qu'est-ce qu'il fait, Galloway? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des paquets de cigarettes sur des planches. Mais il a pas honte. Ah, Galloway, tu crains. Je suis sûr qu'ici, ça pue, il y a quelque chose de caché. Toi, tu peux parler? Ah, toi, tu peux parler. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind... I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. Oh! It's not against the law. Shut up. There's no Take law against beating it. Like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Ah là là. Ça, c'est la violence à l'état pur. Qu'est-ce que c'est, de la drogue? Non, c'est un rouge à lèvres. Classic Carmine. Classic. Le mec s'y connaît en rouge à lèvres, hein, s'il vous plaît. Is this yours, Ferdinand? Bah ouais, je me travestis souvent. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Ouh, hey, Rusty, hein? Rusty le clown, il va s'arrêter, hein. Même si c'est Krusty. Ah putain, je peux l'interroger. Interaction avec les indices. You went through her purse. It wasn't like she needed it. I took a look. Voilà, techniquement, voilà, vérité. Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. Ouais, tu t'en tires bien, McKay. Découvert du corps de la victime. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you bon, ça pue le doute, on est d'accord. Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. Je t'autorise cette fois-ci. We'll see how this plays out. 10 d'XP. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Oh putain. Oh vas-y, encore Rusty, là tu m'as rendu plaisir. Get a sack of shit into a cell. I'll deal with them later. Oh. Sure, Rusty. Oh, oh, là, Rusty, là, tu me vends du rêve. Là, par contre, tu me fais plaisir, Rusty. Rusty, le clown. Bon, bah, au niveau des preuves, est-ce que c'est bon au niveau des traces de sang? What have we got here?
White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Ah, encore, si, si, strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. D'accord, intéressant. Ici, on a la trace de sang. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. L'arme du crime. Il y a pas l'arme du crime, non? Techniquement, non. Je suis sûr qu'on va retrouver la clé à molette ou... La clé à molette. Comment j'ai prononcé ça? La... Enfin, je sais pas ce qu'il a utilisé, un cric ou une connerie comme ça, là. Bref. Oula, 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 qu'est-ce que tu me fais, là? Arrête de monter, là. On dégrade pas le matériel. Oula, 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 on va se calmer. Oh, j'ai envie de me suicider. Non, je déconne. Bon. Ouais, toi, vous avez dégagé de mon chemin. Bon, Ah, il y a peut-être quelque chose là, non? Non. Au final, il n'y a plus rien. Attends, l'arme du crime est pas cachée ici, hein, éventuellement, non? Oh putain, ce saut. Allez, du coup, la musique s'arrête direct. Non, faut rentrer dans la scène de crime. Oh, le corbillard. Comme ça, je vais le débloquer. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Non, je l'ai pas débloqué. Oh, je suis deg. Je sais pas si je l'ai débloqué en fait. Bon, je pense qu'on peut se barrer, hein. Ah non, mais attendez, si je... Oh, celle-là, je l'ai pas débloqué par contre. Et celle-là, elle a trop la classe. Non? Ah, mais il veut pas les débloquer. Putain, par contre, celle-là, elle a la classe. Ça, c'est une vraie voiture de police. Là, je suis d'accord, j'accepte. Bon, évidemment, ça va pas trop avec notre poste, mais. Ah, putain, le téléphone. Attendez, je m'arrête. Rusty, reste dans la voiture, j'arrive. Ah, j'adore. Cole Phelps, batch 1247. 1247? How can I help? I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. THX, bitch. Bon, alors, eh ben, let's go. Et là, oh putain, c'était quoi ce bruit? On va d'abord se rendre au bar Mensch, hein, parce que j'adore les bars, moi je fréquente souvent les bars. Après le boulot. Non, je déconne absolument pas. Sauvegarde en cours. Ok, par contre, c'est où qu'on se tire maintenant ici? Oula, il y a une emprise. C'est où qu'on... Ah, c'est ici. Ah bah tiens, ma bagnole. J'ai envie de reprendre ma bagnole. Really? I guess that's okay then. Est-ce qu'il y a une affaire là? Oh, mais me dis pas que le mec peut pas rentrer. Ah, par contre l'autre peut pas sortir. Ah, ah, c'est tellement con. Le mec peut pas sortir. Eh ben Rusty, t'as grossi? Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country. Sors de cette bagnole. Il veut pas. Bon, bah tant pis. Je suis désolé, je vais devoir t'abandonner, ma beauté, mais. Il veut pas sortir, l'espèce d'abruti. Ça coupe les dialogues en plus. Tant pis. Let's go. Espérons qu'il y ait une affaire aussi, ce serait cool. Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Il y a une affaire là, c'est sûr. Pas loin. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est la scène de crime. Non. Non, il n'y a pas d'affaire, tiens, bizarrement. Waouh, putain, il est loin. Oh, il y a un véhicule caché ici. Allez, attendez, on va juste aller. Ah, donc faut que je tourne à droite. Faut que je tourne à droite. Tout droit, ok. Ok, on va essayer de choper le véhicule caché. Ah, mais merde! Attendez, on va essayer. Merde, mais c'est que des ponts. Ah, fuck.
Ah là là, les villes sur plusieurs niveaux. Croyez-moi, c'est casse-couille. Attendez, on va essayer de couper, on va tondre la pelouse. Hein. Bah, oups. J'ai arrêté le chrono sans faire exprès. Tac 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 tic touc. Voilà. En passant par la pelouse, ça marche. Ah super, une affaire. J'accepte. Let's go les amis. On met la sirène et on est parti. On va enfin pouvoir se fighter. Et cette fois, bah, je crois que j'avais réussi d'ailleurs essayer bien sûr de garder le chapeau sur la tête. Alors j'espère que c'est pas trop loin par contre, parce que le véhicule caché bah là je suis en train de passer à côté. Bon, normalement ça doit le faire. Et c'est chiant là. Je sais pas pourquoi ça fait freeze quand je roule en ville dans ce jeu. Donc je suis désolé pour les petites saccades là. C'est assez étrange. Putain, mais c'est à combien de kilomètres là par contre le truc? Il est gentil monsieur, mais ouais, toujours les petites saccades là, c'est chiant. Oh, oh putain. Vieux mec Vieux mec. Ouais, tout le temps des petits freezes. Une image par seconde à chaque fois là, c'est... Ah, regardez-moi ça, c'est chiant hein. Non, je sais pas pourquoi ça charge, je sais pas ce que... Ouais, voilà, encore. Putain, c'est chiant hein. Concrètement, c'est très chiant. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas, il a du mal à charger la ville ou une connerie comme ça, mais... Super étrange, ouais. J'ai toujours un petit drop. Putain, mais toujours plus loin, sans déconner. Oh, Michel. Toujours ces petits freezes là, c'est chiant. Non mais je sais pas pourquoi les amis. Ouais, c'est mon disque dur charge. Je sais pas, il a un problème avec ça là. Encore un freeze. Non, c'est chiant là, clairement c'est casse-couille. Ah, j'ai des drops tout le temps là. Ouais, il charge un truc. Dès que je roule en ville, ça freeze. Dès que je roule en ville. Ouais, je sais pas, ça charge. Assez étrange. On est bientôt sur le lieu du crime. Du coup, au final, ça va nous durer toute la vidéo. Parce que le temps de revenir après, ça va être n'importe quoi. Oh là là, c'est chiant. Arrêtez de freeze là. God damn it. I said cough it up. I'm not gonna say it again. Say Fukaya. Come on, yeah. That's it, old man. I've had enough of your gibberish. Putain, il parle encore. Ok. Bop. Give it up, LAPD. Oups. Mais c'est quoi ce vieux sac? Regarde, et là, dès que je conduis plus, bah ça frise pas. C'est qui eux? Putain. Il est parti où le mec? Oh, il est là-bas. Putain, il court vite le sac. Non, mais il vient de buter un chinois comme ça. Eh, sérieusement, dans ce jeu, les mecs tuent assez facilement. Hein. Aucun scrupule les mecs hein, ils ont rien à foutre. Putain mais attends, le mec. Attends mais. Le mec est absolument pas logique non plus hein. Ah, encore un freeze. Oh, l'autre a fait le tour avec la bagnole. Oh, Rusty. Wouah, Rusty qui arrive en bagnole. Oh putain, on va se calmer là, mon coco. Putain. Oh, oh, oh le headshot. Et Steam a fini. Ah non, d'accord. Et là Steam me dit que j'ai fini de télécharger un truc. Ah là là. Oh, il s'est fait défoncer. Mais le mec n'avait aucune chance. Ah là, ça c'est des crimes complètement stupides. Le mec bute un chinois. On poursuit le mec. Le mec meurt. N'empêche, c'était stylé la façon dont Rusty est arrivé en mode dérapage. 9 sur 40, c'est déjà ça. Du coup, je me retrouve avec les deux bagnoles. Il n'y a pas un véhicule à débloquer ici? Ok, d'accord. Le garage s'est vidé d'un seul coup. Tu sais pas trop pourquoi. Bon.
En voiture, mon chou. Bah, du coup, on a tout le chemin à se retaper. Attendez, on va voir si c'est loin. Ok. On a tout ça à se faire. Attendez, si je peux choper un véhicule en... au passage. Attends, je suis où là? Attendez, je me vois même pas. Ah oui, putain, si, je suis là. Véhicule qui. On peut essayer de se choper un véhicule caché, ouais. Allez, on va essayer d'aller choper ce véhicule caché. Juste pour le fun. Là, j'ai envie. Ouais, là, j'ai envie. Au pire, je vais faire durer l'épisode un peu plus longtemps que la normale. Et voyez, dès que je roule dans la ville, ça. Le disque dur tourne. Enfin, je sais pas, ça. Il a du mal avec ce jeu. C'est plutôt étrange. Ouais, je saurais pas vous l'expliquer. Et ce qui est con, c'est qu'on ouais, on puisse pas mettre le jeu en 60 FPS vu que ce jeu est bloqué en 30, malheureusement. Malheureusement. Il y a un moyen pour le débloquer, mais comme je vous l'avais sûrement déjà dit, ça fait complètement bugger le truc. Il y a la musique épique là. Le bruit du moteur qui est juste assourdissant. Ça ne veut... Ah, la voiture cachée. Ok, alors là... Oh putain, j'ai fait une grosse rayure sur la bagnole. Alors, on va se garer gentiment ici. Voilà. Alors... alors, il faut que je trouve le... Alors, est-ce que c'est ça? Ah, c'est une Ford, ça. Non, c'est pas celle-là. Alors, il faut que je trouve un garage avec, vous savez, Angel City, ça doit être... Ah, ben voilà. Yeah! Oh, regardez-moi ce carrosse, les gars! Oh, putain! Ah ouais, comme ça... Putain, le mec, comment il monte dans sa voiture, déjà? Oh, la Delage D820. Si ça, c'est pas une bagnole qui a la classe... Regarde-moi comment il monte, quoi! Oh, c'est stylé. Eh, les mecs, avouez, c'est stylé. Non, franchement, c'est stylé. Ah, j'aimerais bien, va falloir que je les recherche toutes les bagnoles cachées. Ça par contre. Ouah, mais hé, vous avez vu les roues? Bon, hein, ça va, hein. Voilà. Moi aussi, je vous klaxonne. Attends. Oh là, mec. Ouah. On va se calmer avec les manœuvres. Putain, le mec est complètement bloqué. Regardez-moi les roues, comment elles. C'est super bizarre. Ah. Ah. Oh. Oh, sans regarder, les mecs. Oh là là. Regardez là. Concrètement, voilà, hein, je suis une grosse brutasse. Et elle va, ouais. C'est pas la plus rapide, mais bon, hein, ça peut aller. Techniquement, ça peut aller. Hein, on va dire que c'est pas excessivement bien, mais bon. Du coup, on va s'arrêter juste devant. Wow, shit. On va s'arrêter devant, je pense. Bon, je suis désolé, on n'aura pas fait grand-chose. Non. Cinéma R... Oh putain, ça me fait 5 d'XP, du coup. Du coup, faut laisser appuyer quand on découvre un mouvement. Ok, je retiens. On va tourner à droite. Ah, elle tient bien la route, ok. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là, les amis. Ouah! Putain. Ok, nous voici donc au bar. Je peux peut-être faire... Ouais, allez, je peux... On peut faire au moins l'interrogatoire avec le type. Ah, mais le problème, c'est que je vais devoir le refaire. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? Il y a une tête bizarre. You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she? Ça, au moins, c'est dit. A bunch of these guys. Ask around.
Ok, bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, il y a eu une sauvegarde. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires. Et puis moi, je vous dis eh bien, à la prochaine pour la suite du Let's Play. Allez, salut à tous et portez-vous bien.